Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Medieval Dynasty. Eh, dis donc Alice, là tu parles pas quand je parle. Qu'est-ce que t'as? Tu t'amuses? Bah c'est bien. Grandis pas vite, hein. Allez grandir, mangez un peu de soupe. Allez, donc. J'ai beaucoup joué de mon côté. Hein, la dernière fois que j'ai fait la vidéo... Enfin, sur la dernière vidéo, on était, je crois, à l'automne. Et là, on est au printemps. Juste le début du printemps, vous voyez, j'ai quand même joué pas mal. J'ai surtout farmé, enfin, j'ai surtout fait beaucoup de lingots de bronze. Des missions, enfin, des objectifs de saison, enfin, des petites missions qu'on a toutes les saisons. Eh, hey, mais tu marches au milieu. Pousse-toi. Et des choses diverses et variées. Donc, ça m'a permis de gagner quelques petites choses, comme par exemple la grange niveau 3, qu'on va pouvoir faire là dans cet épisode. Faudra la cuisine niveau 3 aussi, je crois. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, parce que du coup, j'ai fait beaucoup de couteaux aussi. Beaucoup de couteaux que j'ai vendus. Et c'est vrai que maintenant, je suis à 25 000 pièces d'argent. Plus 1800 dans le coffre. Donc c'est pas mal. Donc on va acheter des canassons. Par contre, ce que j'aime bien dans le village, c'est que la vie commence à vraiment se multiplier. On a un... Let's go. Un petit enfant, là, un bébé... Enfin, un bébé, un enfant. Là, on a un autre ici. Ah, c'est bien, ça. T'appelles comment? Jade Wiga. Ok. Alors, ah oui, puis il y a un sac à dos aussi, j'ai complètement zappé qu'il fallait peut-être que je change de sac à dos. J'ai regardé un peu rapidement avant la vidéo, ça coûte 2000 pour le acheter le plan. Mais je vais regarder combien il coûte à acheter via les commerçants. À mon avis, plus que 2000. Hein. Mais bon, sait-on jamais. Là, donc, je vais en ville. Je vais acheter mes deux chevaux. Un mâle, une femelle. Il n'y a rien qui est apparu. Apparemment, non. Non, ça a l'air d'être bon. Vu qu'il y a des petits events, des petits trucs comme ça qui apparaissent... par-ci, par-là... Alors, on va couper par là. Alors là, ça va me coûter cher, hein, les canassons. Mais, je vais pouvoir avoir, comment dire, la possibilité de me déplacer à cheval. Et on va pas prendre des poulains hein, parce que. Tes pattes avant, elles sont bizarres, toi. Non, c'est moi ou. Tes pattes avant, elles sont bizarres. Ça me choque. Je sais pas pourquoi ça me choque. Toi. Et combien? 3007. Oh purée, ça coûte cher. Bon. Ici, voilà. Toi le mâle. Toc. Bah voilà. Oh, déjà ça fait mal là. Hein. Ça fait mal. On va aller voir le... Alors, je vais peut-être me les fabriquer moi-même. Ma selle et puis...
Ouais, je sais pas. L'émission Tête de marteau. Ah, mais je l'ai fait pendant l'hiver, ça. Bon, ben on va prendre. Bière-flation. Ah, mais non, je l'ai pris. Boîte chauffage x15, torche x12, bâton. Ouais, ça c'est possible. Quel blaireau, c'est blaireau. Ah. 7. Ouais, pourquoi pas. C'est quoi celle que j'ai pris Ah oui, bière-flation. Graines de blé. Ah, oh, ça va. J'en ai. Ok. Qui vend des sacs à dos? Ça doit être toi, non? Mais non. Toi, tu vends des vêtements. Est-ce que tu vends des sacs à dos? J'ai envie de voir le prix du grand sac à dos. Grande sacoche. Non. Grand sac à dos ordinaire. 884. Et le créé de mon côté. Si j'achète le plan de mon côté, ça me coûte 2000. Ouais. Peut-être plus valable de l'acheter ici. Petit sac, petite sacoche, petit sac, sac à dos ordinaire, sacoche, sacoche, selle. Une selle, ça coûte 1000. 1053. Ouais, le plan pour le grand sac à dos, ça coûte 2000. Ça, c'est un type d'équipement fabriqué dans la table de couture. Dans l'atelier de couture, se cumule avec les sacs à dos. Peut servir à augmenter le poids transportable. Une grande sacoche. Peut servir à augmenter le poids. Se cumule avec les sacs à dos. Ouais, mais ça se met où? Grand sac à dos ordinaire. Plus 5 kilos. Ouais. 884. Je vais l'acheter, hein. Allez. Soyons fous. Ah ben, un seul. Voilà. Do you need anything? It was nice. Inventaire. Ah, je peux porter 70 kilos. Ça, ah, ça va être ça, là. Non, pour la sacoche. Ça, c'est la torche. J'ai plein de sous, donc autant en profiter. La sacoche. Je pense que c'est ça. Hein. Bon, on va en acheter une, hein, écoutez. Hein. On va bien voir. Ouais, c'est ça. Ok, maintenant je peux porter 80 kilos. Ah bah c'est cool, hein. Voilà. Faut attendre d'être là, d'en être là pour pouvoir acheter ça. Mais c'est vrai que j'avais complètement... Ouais, j'avais complètement zappé les sacs à dos, les sacoches et tout. Les vêtements, c'est pareil, il va falloir que je commence à m'y intéresser sérieusement. Ouais, c'est que là, on arrive ouais, sur la fin du jeu, je pense. Une fois qu'on a construit notre village et puis tout, après, il faut le faire subsister. Mais bon, c'est vrai que... Pour moi, en vidéo, il n'y a plus vraiment d'intérêt, quoi. C'est surtout la construction du village. Donc, on va dire que la fin de la série approche. Doucement, mais sûrement. Bon, il y a encore des choses à faire, hein, évidemment. Il y a encore beaucoup de décorations à faire. Bon, après, ça sera, voilà, c'est surtout des vidéos de décoration qu'on va faire. Mais ouais. On ne devrait pas tarder à terminer. Allez. On sait bien, je peux porter plus. J'ai une petite sacoche. On avait vu la selle combien? 1039, je crois. Ouais, 1100, on va dire. Je vais regarder combien ça coûte de débloquer le plan.
On va bien voir. Mes deux chevaux doivent être à l'écurie maintenant. J'ai hâte d'essayer. Est-ce qu'il récolte là les pépères là? Ouais, c'est bon. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il y a le blé qui est pas encore prêt, par contre. Donc. Il y a une chose qu'il fallait que je regarde. Avant, c'était la laine. Ouais, parce que j'aimerais bien faire mes... fourrure... 18 en laine. Ah, purée, mais... Ça rapporte rien, la laine. Enfin, j'arrive pas à en avoir. Alors, oui. La selle. Elle coûte 1039, je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble. Et est-ce qu'on peut la fabriquer par ici, la selle? ?500. Ouais, ok, d'accord. Ça coûte moins cher de l'acheter ici. Dans le cuir, je l'ai. Lingot d'étain, j'ai. Le fil de laine, je l'ai. Le tissu de lin, je l'ai. Donc, autant la prendre ici. Hop, la selle. Ça, c'est quoi? Grande sacoche de selle. Ouais, non, on va pas... Tout de suite, tout du moins, sac. Ouais, le grand sac à dos ordinaire. Acheter le plan, c'est 2000. Et là, je l'ai acheté bien moins cher. Je l'ai acheté 800 et quelques. Donc, c'est bien. Ça valait le coup. Petite sacoche, sacoche, grande sacoche. 1000. Et là, je l'ai payé 500 et quelques. J'ai fait des économies. J'ai fait des économies. Bon, par contre, la selle. Alors, mince, elle est où la selle? Elle est là. De laine, de lin, de étain. Hop. Et 12 comme ça. De lin, de laine et deux lingots d'étain. Impec. Combien j'ai de couteaux? Ah, j'aurais pu vendre des couteaux. Ah, j'ai 169 couteaux. Au pire que j'en ai fabriqué du couteau. La selle. Allez, on va se faire la selle. Ah, il manque quoi? Ah, c'est du tissu de lin. C'est du tissu de lin, c'est pas du fil de lin. Toc. Tissu de lin, normalement j'en ai un. Là. Deux. Hop, on va y arriver hein, à la faire notre selle. Là. Parfait. Et ben voilà. C'est un grand pas. Hein. Enfin avoir le canasson. Alors, allons voir. Et on va peut-être upgrader l'entrepôt à nourriture. Ouais, ça serait pas mal. Et on va isoler. Il y a d'autres petits bâtiments que je n'ai pas encore isolés. Les chevaux, vous êtes où? Miam miam.
Ils font miam miam. Ouvrir la sacoche. Sceller. Voilà. Ah. Monter. Oh yes. Marche arrière. Bip, 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 bip. Ouais. Ah, mais ça change la vie. Get up. Oh yes, c'est excellent. Ah ouais, c'est vraiment excellent. Yes. Ah. Giddy up. I'm something of a village head myself. Ah oui, ça va être un sacré gain de temps. Attention les enfants. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est top. Let's go. Ah, c'est top. Ah, on raconte pas le temps que je vais gagner avec ça. Bon, les missions, je vais les faire de mon côté. Hein. Si, il y a juste une mission là que j'ai débloquée quand je jouais de mon côté. Enfin, la fin est proche. Faut qu'on aille parler à Zwitomira, Bogdan et Goslawa. Let's go. Donc, ouais. Hop. X. Oui, il faut que je suis monté. Bon, bah, la selle, elle a l'air de rester. Bon. Ok, alors. C'est l'entrepôt à nourriture qu'on va passer niveau 2. Et après, il faudrait regarder ce qu'on peut isoler pour continuer à améliorer le village. C'est quand même dommage. Moi, j'aurais bien voulu faire des lampes comme ça, là, des lampadaires. Je sais pas comment on appelle ça. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Décoration. Tac. Des lanternes. Ok. Mais c'est le fil de laine que je n'ai pas. Au pire, je vais l'acheter, hein, le fil de laine, hein, tant pis. Hein. De toute façon, avec 169 couteaux à vendre, je pourrais aller vendre des couteaux et puis acheter du fil de laine. Qu'est-ce que je voulais faire, là? Je sais plus. You know how it is with monarchs. Ah oui. Do what they say, but... Oula, perds la boule. Donc là... Extraction, survie, agriculture, élevage d'animaux, production, service, entrepôt. Entrepôt de nourriture niveau 3. Ah, cool. Alors, il va me falloir quoi? Rondins. Bon, déjà, on peut utiliser les rondins. Et après, c'est de la pierre. Ah, la pierre, j'en ai plus. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai plus de pierre. Je sais pas pourquoi. Hop. Ok. C'est parfait, ça. Mince. Excellent. Ça va être un nouveau bâtiment qui va être terminé. Ça, c'est top. Mais par contre, la pierre, ouais, j'en ai plus. Regardez quand même, avec tout ce que j'avais en pierre,
Ah, j'ai plus de pierre. Hein. Bon. On va déjà s'occuper de la pierre. Ma pioche. Non, ça c'est une pelle. Non, ça c'est un marteau. Ça c'est une pioche. Ok. Est-ce qu'on peut récolter... Je récupère ou pas de la pierre là, Oui. Ah ben c'est tout. On n'est pas couché. Ah ouais, on n'est pas couché, hein. Je crois que c'est plus rentable d'aller récupérer des minerais dans la... Dans la mine. On va aller chercher des minerais dans la mine. Je pense que je vais gagner en temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas qui traînerait là? Non, il me semble. Non, non, ben non. Bon. Bah, je sais pas pourquoi j'ai plus de pierre. Ouais, 6 pierres. Bah, c'est pas tellement mieux, hein. 8 pierres. Ah, quand même. Je récupère des minerais en même temps. 40. Un peu trop chargé. J'ai 50. J'en aurais pas assez, hein, mais bon. Là, faut quand même que j'aille vider. Je suis plein à ras-bord. Arrête de souffler. Je récupère du calcaire, ça c'est bien. Husband abandons you or dies due to some inexplicable circumstances, then you know. Buy some new ones. Oh, wow. Allez, on va essayer d'avancer un peu quand même. Ah non, et c'est le soir le coq, là. On chante pas le soir. On chante le matin. Parfait. Après, il va falloir l'isoler. Hop. Hop, génial. Il manquerait 14 pierres. Bah écoutez, là par contre, je vais aller là. Hein. On va récupérer un petit peu plus quand même, hein. Quand même pas beaucoup. Sachant qu'il n'y a que de la pierre là. 21. Ok. Il reste encore le toit à faire. Il va falloir faire dodo, mais j'espère finir au moins
ça. Alors, des planches. J'ai pas regardé le nombre de planches qu'il me fallait. Ok. Planche. Je vais en prendre... j'en sais rien. Je sais pas combien il en faut. Allez, 40. Après, dodo. Après, on va isoler le bâtiment. On va avoir un petit bâtiment sympa. Oui. Oh mince. Il manque les rondins. Comment ça, j'ai loupé? Ah mince. Oh ouais. Deux rondins, il va me manquer. Allez, deux rondins. Après, on va faire dodo. Deux. Toc. Les planches. Les planches, les planches, les planches. F. Voilà. Est-ce qu'il commence à faire sombre? Voilà, parfait. Ok, bah écoutez. On a upgradé l'entrepôt de nourriture. Allez, next. Dodo, isolation. J'ai d'autres petits bâtiments isolés aussi. Un bon dodo. Là, c'est brumeux. Non. Non, je veux de l'eau. Parfait. Allez. Oh, c'est quand même cool, petite vidéo sympa. On a nos canassons. Une selle, un sac à dos, une petite sacoche. Ouais, c'est cool. C'est très cool même, je dirais. Alors, l'enduit, va m'en falloir un petit peu. Je vais en prendre 20. Le calcaire, il m'en faut aussi. Je vais en prendre 65, je sais pas combien il en faut exactement. Hop, isolé. Ah. On va avoir un super bâtiment. Hop, c'est parti. Cool. Ça va être sympa. Le village va commencer à vraiment être cool. Hein. Il manque encore beaucoup de décorations quand même, des bancs, des diverses choses. Mais ouais, ça commence à vraiment être sympa. Voilà. Le haut avec l'enduit. Je vais pas en avoir assez.
Bon, c'est pas grave, de toute façon, l'enduit, il va m'en falloir pour isoler les deux petits bâtiments qui sont derrière la cuisine. L'enduit. Ouais, j'ai ce qu'il faut en plus, hein, c'est bon. Allez, 151, c'est bon, ça ira bien. Bon, bah voilà, voilà une vidéo qui est pas mal. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Oh, le marteau est bientôt HS. Hop. Et bien là. Et tout de suite, ça fait la différence quand même, hein. Ça, avec la cuisine derrière, c'est top. Donc, j'ai ça à faire. Ah, c'est mieux comme ça. Voilà. On va faire la bergerie. Et la bergère qui contemple son champ. Ah, on sait pas quel âge ils ont. Parce que là, j'ai toujours. Je crois que j'ai toujours pas de lait. Hein. Un peu embêtant. C'est parfait ça. Hop. Étape. Voilà. Et ben voilà, cool. Regardez. On a bien avancé. Ça, la grange niveau 3, je pense que on la fera dans le prochain épisode. Il me reste pas grand chose après à isoler, je crois. Peut-être une maison par ici et encore. Je crois que j'en ai fait de mon côté ici. Hein. Ouais, il reste une partie de cette maison à faire. Je serai peut-être de mon côté. Ouais, une bonne partie quand même. Hein. Après, on a toutes les décorations, comme on a fait un peu sur le centre du village. Donc, ouais. Et, ouais, peut-être que je pense aller payer les impôts aussi. Hop, hop. Il me semble que les impôts, c'est... Je demanderai à Léonard d'aller les payer. Est-ce qu'on peut isoler l'écurie? Yes, on peut. On pourrait faire ça, ça serait déjà fait. Tout ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Ah, mon marteau est bientôt HS. Mince. C'est un marteau en bronze. J'en ai un autre. Pardon. L'enduit. C'est parti. Oula, c'est un peu beaucoup, là. Quoique, il en faut beaucoup, quand même. Cette maison-là, elle est finie aussi. Ah, il y a plein. Il y a encore vraiment beaucoup de déco. Ah, là, j'imagine bien les tonneaux et tout. Les tonneaux, caisses sur le bord, là. Ah, ça pourrait être sympa. Allez, on fait ça.
Et puis je pense qu'on va arrêter ici. Prochain épisode, on a encore du boulot, surtout sur le passage des bâtiments. On va faire la grange, niveau 3. Hop. Alors ça c'est bon. On peut rien faire là-dedans. Il y a en bois, non, il n'y a rien. Allez, tape. Parfait. Parfait. Et je pense que tout est bon. Bon, eh ben, on aura bien amélioré le village dans cet épisode. On a nos deux chevaux. C'est excellent. Non, mais c'est très très bien. Peut-être mis un chemin quand même. Soyons logiques un petit peu. On va le mettre là. Bien ça. Peut-être mettre comme ça. Hop, voilà. Parfait. Ah, c'est excellent. Très très bien. Pareil, là devant, ici, il faudra décorer. Ouais, il y a encore plein de petites choses à faire. Hein. On arrive sur la fin de la série, mais il y a encore quand même pas mal de boulot. Il y a encore quelques épisodes à faire. On va sûrement encore avoir peut-être un ou deux épisodes consacrés à la décoration. Tiens donc, après, c'est au niveau des vêtements aussi. Je voulais regarder. Est-ce que c'est plus valable d'aller acheter les vêtements ou d'acheter le plan des vêtements? Les vêtements, ça s'abîme pas particulièrement. Donc, ah, ça aussi on peut l'améliorer. Bon, on verra ça peut-être plus tard. Quoique, remarquez, j'ai l'enduit sur moi. Atelier de couture niveau 2. C'est un lieu de production. Extraction, survie, agriculture, élevage, production. Ah, atelier de couture niveau 3. Et j'ai l'auberge aussi qui est débloquée. J'avais même pas vu que j'avais débloqué l'auberge. J'ai tellement farmé que... Ouais. Ouais, donc non. Faut pas mettre l'enduit. Il faut pas, il faut pas, il faut pas. Alors. Au niveau des vêtements. Ça c'est quoi? Chemise en lin. 200, 250. Ouais. 1500. Je crois pas qu'il y ait des vêtements qui coûtent 1500 là-bas. Hein. Gilet en feutre. Tunique 700. Ouais, je sais pas. À voir. À voir. Ok, bah écoutez, on va arrêter là. On va arrêter là. Belle progression encore une fois. On a bien amélioré notre... notre village, on a les chevaux, on a enfin une monture qui nous permet d'aller plus vite et on a amélioré l'entrepôt de nourriture et 2-3 bâtiments, ce qui embellit le village encore plus. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo ou à me laisser un commentaire, et puis moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien, bye bye.